Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Song of the Deep sur PC. Oui, parce qu'il est également disponible sur PS4, peut-être sur d'autres consoles, j'en sais rien. Et c'est un nouveau jeu, il est tout beau, il est tout neuf, il est tout frais. Je l'ai trouvé il y a 10-15 minutes et franchement ça a l'air bien. Allez, c'est parti, let's go. Donc on a pris la petite manette, ça fait plaisir. Aïe hop, on va se mettre en normal, tranquillement. Marine aimait la mer. Elle aimait le son des vagues qui l'appelaient à travers sa fenêtre. Chaque nuit, elle rêvait des mystères qui se trouvaient sous la surface. Son père était pêcheur. Chaque jour, il partait en mer. Et chaque soir, Marine attendait au bord de la falaise, tenant une bougie pour le guider en toute sécurité jusqu'à la maison. Tous deux étaient pauvres, leur toit fuyait, et il leur arrivait d'avoir faim. Mais tant qu'ils étaient ensemble, Marine savait que tout irait bien. Putain, j'ai l'impression d'être père Jolat, raconte-nous une histoire, quoi. Le soir, son père lui chantait des chansons sur ses grandes aventures. Ses chants parlaient de Léviathan géant, de grottes hantées et d'une cité d'or disparue sous la surface. Intéressant. Marine savait que ces histoires n'étaient pas vraies, mais elle adorait les écouter. Puis, elle s'endormait, imaginant les merveilles de ce monde sous-marin. Et sa vie continuait ainsi, pleine de simplicité et de bonheur, jusqu'à cette nuit où son père ne revint pas. Qu'est-ce que c'est beau. Marine tenait sa bougie au bord de la falaise dans la nuit noire, fixant la mer vide. Le vent froid la faisait frissonner, tandis qu'elle guettait le retour de son père pendant toute la journée suivante. Ses yeux se remplirent de larmes lorsque la nuit tomba à nouveau. Il n'y avait toujours aucun signe de son père. Elle finit par tomber de sommeil. Sympa la petite histoire déjà, moi j'aime bien, ça me plaît. Elle le vit dans ses rêves, piégé dans les abysses, l'appelant à l'aide. C'est horrible. Elle se réveilla en sursaut et commença alors à élaborer un plan désespéré et dangereux. Elle amassa des bouts de métal et de bois que son père avait pris dans ses filets et les assembla. Elle donna des coups de marteau et avant le coucher du soleil, elle avait construit un minuscule sous-marin brinque-ballant. Ouais, elle va partir à la recherche de son père. Les mains tremblantes, elle se faufila dedans et plongea dans les vagues pour partir à la recherche de son père. J'en étais sûr. C'est parti. En tout cas, ça a l'air super beau, franchement. C'est un truc de malade. Waouh. Bon, et ben c'est parti. Allons explorer les fonds marins un petit peu. Alors, comment ça se conduit cet engin? Oh, bah, ça a l'air assez simpliste au niveau de la conduite. Je pense qu'on va partir vers la gauche. Le mystérieux monde sous-marin scintillait des bulbes d'équipe luminescents. Ok, d'accord. Donc ça, je pense que ça se ramasse. Tiens, salut, un petit crabe. Tranquille. Ça se ramasse. Est-ce qu'on revient? Non, on va continuer à gauche. Oh, le délire. C'est quoi ça qui me suit? Non? Ah d'accord, c'est un courant qui m'a envoyé... Ok. Regardez, franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve super beau le jeu. Regardez les décors en arrière-plan et tout. C'est juste magnifique. Moi en plus, comme je vous disais, j'adore tout ce qui est fond marin et tout. C'est un truc de fou. Regardez comment que c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. J'imagine qu'il faut une clé ou un truc du genre. Une étrange lueur vacillait et dansait sur le plancher océanique comme un feu sous-marin. D'accord. C'est des checkpoints. Ça pique ça? Non, ça pique pas. Tranquille. Et hop là, il y a un peu de courant. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'ai compris. J'ai carrément compris. Vas-y, fais péter. Ça passe. Impeccable. Un hippocampe composé d'engrenages mécaniques partit précipitamment lorsque Marine approcha. Elle se demanda qui avait bien pu construire un truc aussi étrange. Ok. Attends, est-ce que je peux partir par là? Ah ouais, ça passe.
D'accord. Oh! Pince magnétique. Pince magnétique polyvalente capable de saisir, tirer et attaquer. Oh, c'est bon ça. Appuyez sur X pour utiliser la pince magnétique. Ah, d'accord, ok. Yes. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. Il y a un truc que... Merde. Ça se démonte ça? Ah non, pas du tout. Il y a un truc que j'ai pas fait. Ah putain, puis c'est trop tard, c'est dommage. Quoi, peut-être que je pourrais y revenir plus tard, hein, allez savoir. C'est possible. On verra ça plus tard. On va passer là. Tranquillement. J'aurais bien voulu aller chercher. D'accord. J'avais vu qu'il y avait une pièce d'or. Viser, appuyer sur pour ramasser des objets. Ah oui, ok, d'accord. Tac. Ça, c'est pour sauvegarder. Ok, voilà. C'était là que je voulais aller tout à l'heure. J'ai vu un truc en haut, voilà. Regardez, regardez, je vais essayer d'y aller. Si j'y arrive. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Allez, vas-y, ça passe. Ça passe, yes, c'est ça que je voulais. Hein? Impeccable. Alors, wouh. Nickel. Vas-y en voiture, Simone, mon vieux. Fais péter le sous-marin, là. Ça, donne-moi ça, mon vieux. Viser et appuyer sur X pour lancer. Filament électrique devant elle, ok. Prends ça dans la gueule. Tiens. Et ça. Alors, c'est quoi que j'ai ramassé, mon vieux? Un espèce de... Prends ça. Tiens, mon vieux. Oh, d'accord, c'est quoi ça? Ah, d'accord, attends. D'accord, je peux le ramasser sûrement. Ouais, ouais. Là, il y a un truc, ok. On va peut-être d'abord aller voir là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Non, bon, bah clairement... on va se casser de là. Vas-y, fais péter. Allez, merde! J'ai refermé. Vas-y, ouvre. Voilà. Tranquille. La pince inflige également des dégâts aux ennemis. Ah ouais? Tiens, prends ça dans la gueule. Prends ça. Ah ouais, ça marche bien. J'aime bien, moi. C'est quoi ça? C'est quoi ce machin? D'accord. Ok, tiens, prends ça, mon vieux. D'accord, bah, je savais pas, mon vieux. J'en savais rien. Tiens, prends ça dans les gueules. Oh, c'est quoi ça? Ça se ramasse, le truc vert? Ça se ramasse ou pas, le truc vert? Putain, dégage, toi. Alors. Ok, donc je le saurai. Tiens, c'est une espèce de bombe. Non! Prends ça dans la gueule. Tiens. Oui. D'accord. Ok, j'ai compris. Vas-y. Fais péter la bombe. Fais péter, fais péter, fais péter. Prends ça. Voilà. Hein? Alors. Petit point de sauvegarde. Tranquillement. Oh, c'est lui. Oh, un gardien endormi bloquait le passage de Meryn. Grâce aux histoires de son père, elle ne savait que trop bien qu'il ne fallait pas le réveiller. Ah bon? Pas le réveiller? Réveille-toi, espèce de salopard! Ah bah d'accord! D'accord, j'ai compris, c'est bon. J'ai compris, mon vieux. Hey, tiens, prends ça dans la gueule, vas-y. Alors. Il a fait 2 secondes. 2 secondes qu'il a fait. D'après son père, les gardiens avaient été construits par d'anciens explorateurs sous-marins, appelés Fomori. Meryn avait toujours pensé que le Fomori était un mythe. Maintenant, elle se demandait si les autres histoires de son père pouvaient être réelles, je crois. J'ai pas eu trop le temps de lire. Ouh, des petites pièces d'or. En plus, j'adore, il y a une petite phase chasse au trésor là. C'est excellent. D'accord. Il y a du courant. Je peux pas aller là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai chopé? C'est quoi ça? Hein? Prends ça! C'est quoi cette pièce là que j'ai chopé là?
Oh, tu me diras, ça fait un petit peu de lumière, non? Attends, vas-y, fais péter 2-3 pièces là. Ah, ça se trouve. Tiens! Non? Bon, bah, je vais la garder en attendant. On va la prendre avec nous, tranquillement. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Oh, je l'ai perdu. Grotte immuable. Ah ouais? Tiens, salut. Tu veux faire avec ça? Ah d'accord. La vieille statue lui rappelait les berceuses de son père sur les beaux et courageux Marien. Oui, tranquille, ok, d'accord. C'est bon. Pour l'instant, tranquille. Et alors, salopard. Vas-y. C'est parfait. Ça. Petit point de sauvegarde. Merde, à mon avis, il me faut une bombe pour ouvrir ça. Je pense, je vais sûrement en trouver une en dessous. Par logique, non? La pince inflige également des dégâts aux ennemis, ouais je sais. Oh, faut encore trouver une tête et tout. Là il y a du courant. Oh le délire. Attends, ah bah il y a une tête là, tiens. On va certainement échanger, vas-y. Ramène ta tête. On va la mettre là-bas. Les méduses par contre, dégagez là. Oh, c'est quoi ça? Dégage, putain! Je me fais défoncer. Vas-y. Merde, putain, putain. Oh, bah je l'ai pas posé droite la machine. Oh, bah c'est pas grave, elle se met droite toute seule. Qu'est-ce que tu fais, toi? Dégage. Saloperie. Prends ça dans la gueule. Alors. Putain, mon vieux. Dégage. Tiens. Ok, ça a ouvert un truc, là. Ah oui, ça a dû m'ouvrir... non? Ah non. Ça m'a ouvert quoi? Putain, mais dégage, toi. Ça m'a ouvert quoi? Ah, ok, ça m'a... Ouais, ça m'a peut-être ouvert là. Tout en poursuivant son exploration, Meryn croquait le terrain sur une feuille de papier de cartographie. Son père lui avait appris que les personnes qui dessinaient... D'accord, d'accord. Ouh, un énorme Bernard l'ermite l'observait, Meryn depuis une corniche rocheuse. Sur son dos, il transportait une vaste palette de trésors étranges. Ah ouais? Donne tes... Dégage. Toi, tu dégages. Ah ouais? Fais voir, petit Bernard l'ermite. Y est changé. Augmenter la cadence... Vas-y, fais péter. Vas-y, celui-là, là. Non, celui-là. Vas-y, donne-moi-en un, là, non? Non? Bon, bah, il veut pas. Pour l'instant, tranquillement. La carte indiquera toujours votre prochaine destination. Et t'appuies sur quoi pour voir la carte? Star? Pas du tout. Select? Ah ouais, select. D'accord, donc faut que j'aille à la croix. Ça. Donne-moi ça. Dégage. Tiens! Prends ça dans la gueule, mon vieux. Je me démerde quand même pas mal. Tiens, combo mon vieux. Alors, tiens. Oh putain, il y a du courant là. Ah quoi que ça passe. Merde, ah oui, ok d'accord. Ok, ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Fallait se mettre là-haut. Vas-y. Vas-y, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. D'accord. Il y a une tête là. Qu'est-ce que je vais faire avec cette tête? Oh putain, je me casse. Ouh, il y a une pièce, attends. Je vais la chercher. Je l'ai. Putain, dégage là. Tiens, prends ça. Alors. Ah oui. Faut aller poser ça là-bas. Tiens, vas-y, fais péter la tête. Hop, voilà. Vas-y. Merde. Oh, tranquille. Oh, c'est quoi ça? Réacteur de boost. Dispositif de propulsion sophistiqué capable d'octroyer... D'accord. Maintenant enfoncé pour utiliser des réacteurs de boost. Oh, excellent. Ah, par contre, on peut pas l'utiliser... tout le temps.
Mais dégagez là avec votre truc de merde. Tiens, prends ça. Tiens, j'ai fait péter un combo là. Alors, oh putain, attends. Dégage. Tiens. Et prends ça, combo, mon vieux. Alors. Et ok. Tiens. Oui, c'est un piège, ça te peut me bouffer, toi, non? Hein? Non? Oh non. Monsieur. Hein? Ah. Est-ce qu'il y a ta faim? Hein? Alors? Qu'est-ce qui se passe? T'as faim? Tu veux ça? Hein? Ah bah oui, il avait faim, mon vieux. Hein? Ah bah merci. Merci bien. C'est bien cool. D'accord. Vas-y, fais péter. Ah ouais, c'est vrai qu'avec le boost maintenant, ça va plus vite. Mais, d'accord. Ça n'empêche pas qu'on peut pas passer. Quoique, si j'y vais à fond la caisse. Oh, ça passe pas. Et attends, et si je fais ça? Si je fais ça et que je vais me cacher en bas pour rester coincé, voilà. J'attends que ça redevienne bleu, tranquille. Vas-y. Vas-y. Oh yes, excellent. Oh, c'est quoi ça? Tiens, non? Pas du tout. Bon bah écoutez, on va le prendre avec nous. D'accord. J'ai chopé 2-3 petits bouts de machin. Ça, ça dégage. Ah bah tiens. Bah tu veux peut-être ça, mon vieux, non? Merde. Excuse-moi, j'ai... Tiens. Merde. Je me suis loupé encore. Prends ça. Vas-y, oui, vas-y, ouvre la gueule. Ouvre. Allez. Tiens, regarde, je te le mets devant le nez, là. Putain, mais dégage, toi. Qu'est-ce qu'elle est chiante, celle-là. T'as pas faim? Ah bah voilà. Alors, on va faire la timide comme ça. Allez, mange. Oh, t'en veux pas? Alors, il était de notoriété publique que les palourdes géantes étaient difficiles en matière de nourriture. Bah ouais, je vois ça. Chacune semblait avoir son mets de prédilection. Ah ouais? Bon bah très bien. Du coup bah du coup je peux pas passer ici, quoi. Bon ok. Écoute, on va descendre tranquillement. Tranquillement. Wouh. Excellent. Attends, on va regarder la carte. Tac. Ouais, faut que j'aille par là. Et bah vas-y, c'est parti, fais péter. Il y a du courant, c'est pas grave. On a du boost. Merde, attends. Comment qu'on peut passer? Vas-y. Ça passe. Yes. Ah bah je suis revenu au Bernard l'Ermite. Ah ouais. Ah ouais, mais quoi que maintenant je vais pouvoir revenir sur des passages où je pouvais pas aller tout à l'heure. Parce qu'il y avait des passages où il y avait du courant. Mais maintenant on a le boost. Donc ça va plutôt être cool. Il y a une tête ici. Il vient là. Je vais d'abord lancer un objet pendant que vous maintenez le boost enfoncé pour effectuer un super lancer. Prends ça. Oh ouais, effectivement, mon vieux. Putain. Oh, le super lancer. Ça passe. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant par contre, non, c'est bon, tranquille. Elle est où la tête? Elle est là. Vas-y, t'inquiète, on va te faire faire un super lancer. Super lancer! Putain, mon vieux, elle est partie direct dedans. Ah ouais, ça ouvre là-bas. J'y vais. Vas-y, fais péter. Vas-y. Oh, c'est plutôt beau par là. Ruine d'Emérien. Bouche bée, Mérine balaya les environs du regard. Elle connaissait cet endroit grâce aux chansons que son père. C'était les ruines disparues des Mériens. Oh, comment que c'est beau.
C'est de tout côté. Ça c'est pour sauvegarder. Hop. C'est de toute beauté. Ok. Attends. Oh, il y a un truc là. Je vais le prendre. Peut-être que ça va me servir. Ou pas. Attends, on peut pas mettre ça là-dedans là. Ça fait quoi? Bah non, ça c'est des points de sauvegarde. Ouais, c'est juste pour sauvegarder quoi. Ça fait rien de spécial. Les méduses phosphorescentes bloquaient le passage de Meryn, bien que potentiellement mortelles. Au toucher, ces créatures étaient très timides et évitaient même la lumière de leur... je ne sais pas quoi. Ah ouais? Tiens, prends ça dans les gueules. Ouais, il a pas évité grand chose là. Attends, déjà j'avais vu un passage en haut. Il y a l'air d'avoir des passages un peu partout. C'est aussi ça qui est cool. D'accord, en fait, ici, j'en viens. On va partir par là. Comment qu'on va passer? Ah ouais. Mais la lumière, quelle lumière? Oh putain, j'ai pas de lumière, moi. Ok, écoutez. On va avancer tranquillement. Tranquillement. C'est quoi ça? Il y a un truc là. Vas-y, fais péter. Oh! Putain, bah heureusement que j'ai le machin, il m'a sauvé la vie, mon vieux. Tiens, loupé. Meryn regarda à travers les fenêtres des maisons, se demandait si une fillette Meryenne avait vécu ici autrefois. Et si son père lui avait chanté des berceuses sur le monde de la surface. Va savoir. C'est beau. Ça. Attends, donne-moi ça. D'accord. Ah ouais. J'ai vu, mais du coup, j'aurais pas le temps. J'ai vu ce qu'il fallait faire. Ouais. Attends, je dis j'ai vu ce qu'il fallait faire parce que j'ai vu un truc à exploser en haut, mais ça se trouve, c'est en bas. Je raconte n'importe quoi si ça se trouve. Ouh! Je remonte! Oh putain! Non, effectivement, c'est en haut. Je vais prendre ça. On va y aller tranquillement. Allez, vas-y, viens. Go. Vas-y. Vas-y. Tiens. Yes. GG. Ah ouais, c'est pour gagner un trésor en plus. Bon, écoute, viens là. On va aller en bas cette fois-ci. Mais on va y aller avec ça. Et t'inquiète que je vais aller faire la guerre aux méduses, moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Hein? Les gars et les filles, là. Regardez, là. J'arrive. Alors, vous êtes où, là? Tiens! Ah, c'est bien parce que ça, t'as juste à le porter dans les mains et... Ok, je savais pas. Franchement, c'est plutôt cool. Merde. Ah, je peux les pousser, les méduses. Si je fais un super lancer, non? Putain, je fais super lancer, que dalle, ouais. Merde, je peux pas y aller du coup. Attends, à moins que... Non, oh là là, je vais mourir. Ouais, je vais mourir. Est-ce qu'il y a moyen... Attends, c'est quoi ça? Je vois même pas ce qu'il y a derrière là, c'est ça le pire. C'est quoi ça? Ah ouais? Tiens! C'est pas de la lumière ça? Ça fait pas fuir les méduses? Non? Ok, je vais crever. On va remonter tranquillement. Oh, j'ai pas été là. Ici, j'ai pas été. Sûr. Petit point de sauvegarde. Ce délire. Ça passe! À l'aise! À l'aise! Easy! Regarde ça. Easy! Alors. Il m'a fait peur le machin. Attends, il fait semblant ou comment ça se... Projecteur!
allumer deux rayons de lumière devant le vaisseau pour éclairer les ténèbres et interagir avec la vie subaquatique. Meryn découvrit de lumière rayonnante parmi les décombres d'une vieille machine Fomori. Elle les fixa à l'avant de la coque du sous-marin, espérant qu'elle la guiderait dans son périple. Ok, appuyez sur Y pour éteindre les projecteurs. Oh, ça déchire. Body. Oh, tiens. Prends ça dans la gueule, bon vieux. Alors. Ah ouais, ça déchire. Vas-y, dégagez. Dégagez les méduses, là. Voilà. Ça dégage. Vas-y, dégagez, là, un peu là-bas, là. Ça passe. Tranquille, tranquille. Oh, j'ai pris le pylône dans la gueule. Je m'en fous, j'ai les projecteurs, c'est bon. J'ai les projecteurs. Hop, ça passe. C'est bon. Hop là. Ouh, attends, ça. Ça dégage. Ouais, ça c'est des trucs. Merde, il me faut une bombe. Ou alors ça c'est des machins avec les têtes à ouvrir. Petit point de sauvegarde. Un millimélo de couleur jaillit de la pénombre. S'agissait-il d'une sirène mérienne nageant je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Attends. On va aller là où il y avait les méduses tout à l'heure. Wow! Et ça suce pas les projecteurs? Ça a pas l'air. Ça a pas l'air de s'user. Oh, une sirène. Meryn essaya de lui parler, mais la sirène mérienne s'enfuit. On va aller la suivre. Ah, puis elle arrive à dégager toutes les méduses. Tu peux y aller. Tranquille, easy quoi. Easy, easy. Allez, dégagez là, les cocottes là. Dégagez. Vas-y, ça dégage. Ça dégage, faites de la place là. Allez. Allez, faites de la place, ça dégage. Ah bah voilà, hop 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 hop. Petite pièce d'or. C'est pour moi ça. Je prends. Merci. Alors lui il a faim. On va essayer d'y donner à bouffer si on trouve quelque chose. Ça, ça dégage. Ça aussi. Ouh, ça. Je prends. Là par contre il faut une bombe. Il va nous falloir une bombe. Oui, vas-y. Ça marche. Oh! Tiens! Hop là, ça passe. Dégage! Tiens! Non mais... Alors... Est-ce que tu mangerais pas des trucs comme ça des fois? Non? Je demande ça, j'en sais rien moi. Or si... S'il aime ça. Est-ce que t'aimes ça? Ah, il aime pas ça mon vieux. Ouais, ça va, ça va. Alors, il aime pas ça. Bon bah écoutez, on va descendre un peu plus en profondeur. Ah, lui il mange des trucs verts. Ouais. Moi je pense qu'il mangerait plus celle-là, tu vois. Là je viens de tomber dessus. Hop. Vas-y. Je suis sûr que celle-là t'en veux. Bah ouais, t'es vert forcément. Tiens. Ah, regardez. Dégage toi. Oh, un petit poisson. Excellent. Dégage. Excellent, excellent. Ça, je prends. Tiens. Merde. Oh, pop. Un tourbillon lumineux dans l'eau tira le sous-marin de Meryn. Était-ce un vortex de faille? Où pouvait-il bien mener? Nous allons le savoir tout de suite. Vas-y. Ruine des Meryn. Vas-y. Dégage. Vas-y. Bah, ça fait rien, mon vieux. Tiens, mais dégagez, vous là. Alors. Tiens. Tiens. Et puis lui aussi en haut là. Commence à m'agacer là. Vas-y, tire, t'as raison. Y. Oh, à mon avis, c'est un téléporteur, mais on n'a pas encore. On n'a pas encore trop de trucs pour se téléporter. Oh, la sirène. Ça y est. Puis la sirène Meryn finit par s'arrêter. Meryn l'appela. Attendez, j'essaie seulement de trouver mon père. Pendant un long moment, la sirène Meryn la regarda.
puis remua l'eau avec ses mains pour former une image spectrale. C'était le cimetière d'épaves de navires connu sous le nom de récif squelette. Son père pouvait-il être piégé? La sirène mérienne montra la direction à suivre et Mérine la remercia. Très bien. On va la suivre tranquillement. Par contre, lui derrière, il va m'emmerder là. Appelle-moi Kara, répondit-elle. Un jour, une autre fillette m'a appelé ainsi il y a des années. Elle m'a dit que cela signifiait ami. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On est potes maintenant ou comment ça se passe? Si on est potes, aide-moi là. Alors attends. Oh, c'est quoi ça? Je le veux ça. J'en veux. On va le suivre. Où est-ce qu'il nous amène ce machin? Bah écoutez, on va suivre ça. Je sais pas forcément si j'ai bien fait de le suivre. Dégagez, 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 dégagez. Dégagez. Il m'emmène où ce machin? Hein? Attends, ça se trouve, je suis en train de suivre une décoration dans le jeu qui a absolument rien à voir. Vas-y, on va le suivre. Attends, c'est peut-être... Putain, dégagez. Oh, t'es sérieux, quoi? Oh, ok, d'accord. Il m'a donné un diamant. Par contre, je vais aller chercher ça. Tu vois, tout à l'heure, je pouvais pas passer. Putain, et ils sont chiants, hein, les machins. Vas-y, on se casse. D'accord, bon, bah, on a plutôt bien fait de le suivre. Il nous a donné un diamant. Enfin, je crois, hein. Il me semble qu'il nous a donné un diamant. Il me semble que c'est lui. Que c'est le machin bleu qu'on suivait qui nous a donné le diamant. On va descendre tranquillement. Eh, en vrai. Elle est pas reposante la petite musique et tout là? C'est pas déstressant un petit jeu comme ça? C'est pas tranquille? C'est pas posé? C'est pas relax? Hein? Franchement, en vrai. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, moi je trouve que ça tue. Oh, un petit passage secret. J'ai trouvé un petit trésor. Tranquillement. Ouais, 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 ouais. Vas-y. Ok. Par contre, du coup, j'ai perdu mon chemin de tout à l'heure. Ah ouais, faut que je redescende. C'est vrai. Attends. Je vais regarder. Ah d'accord, oui, bah effectivement, faut que je descende. Donc on va descendre. Oh! Pourquoi tu tombes comme ça? Ah, tu vois, c'est ça que j'ai suivi tout à l'heure, là. Regardez derrière, en arrière-plan, là, les espèces de tortues et tout, là. Enfin, franchement, le jeu, moi, je le trouve super beau. Super bien fait, quoi. Elle est où, ma pote, la sirène? Non? Sérieux? Oh, 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 oh. Alors, ça. Tiens. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Dégage. Ça. Tu dégages. Tu dégages. Et tu dégages. Ok. Par contre. Oh, petit poisson. Ça, je prends. Dégage! Putain, je peux pas passer. Attends, à moins que je peux récupérer. Merde, je peux pas passer. Oh, un espadon. Excellent. Enfin, un espèce d'espadon. Oh, bah je peux passer par là en fait, je pense, non? Pas du tout. Ok. Oh. Non, ça se casse pas. Bon. On va descendre tranquillement. Gentiment. Toi tu es bloqué. Pourquoi je peux pas passer derrière là? Non, bah, peut-être parce que on peut pas tout simplement. D'accord, d'accord. On va descendre encore. Dans les abysses. Bah tiens mon vieux. On y est dans l'espèce de cité perdue là, non? C'est pas ça? Ça. Ouh, c'est quoi ça? Ah! Ça fait quoi? Je comprends pas, ça fait quoi quand ça s'allume en rouge?
Écoutez, on va aller par là bien tranquillement. Gentiment. Oh là là. Maintenant, l'hippocampe tapait contre un mur de verre. Quelle étrange créature, pensa Mérine. Si seulement elle pouvait comprendre ce qu'il voulait. Alors, tu veux quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis. Attends, je vais l'aider. Bah, je sais pas, mon vieux, ce que tu veux, moi. Attends. Lui, déjà, il va manger des perles roses, je pense, si j'en trouve. Si j'en trouve dans le coin. Mais c'est quoi ça, là? Putain, je suis déjà bloqué, moi, ça y est, là. Bon, attendez, si ça va pas, je vais essayer de remonter un peu. J'ai dû zapper un truc quelque part, à mon avis. Certainement. Il y a de grandes chances. Déjà, regardez, il y a des trucs là, mais on peut pas y aller là. Là, il y a le poisson et tout là. Dégage toi. Tiens, prends ça. Ça dégage. Ça dégage. Et ça dégage. Ah bah attendez, j'ai pas été ici tout à l'heure, si. Ah, j'ai pas été là. Par contre, il y a du courant ici. Attendez, on va se mettre... Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris, il y a un machin ici. D'accord, ok. J'ai tout à fait compris. On va attendre que le courant se calme. Vas-y. Hop là, je l'ai, c'est bon. Attention. Hop là, je vais me cacher là. Non. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, je suis pas assez... Je suis pas assez. Merde. Attends, on va attendre que le courant y passe. Voilà, on est bleu. Vas-y, fais péter. Fais péter. Fais péter. Non. Oh, j'étais à deux doigts. Vas-y, on va se recharger. Vas-y. Là. Putain, mais je suis pas assez puissant avec mon machin. Ou comment ça se passe? Hein? Vas-y. Je l'ai. Yes. Ouh. Eh ben, mon vieux, c'était c'était pas évident, hein. Attends, hop, on va monter par ici. Merde, ah ouais, il me faut des bombes, des genres de trucs comme ça. Hop, 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 la pièce, la pièce, la pièce, je l'ai. Vas-y, je vais vite monter là-haut. Yes. Vas-y. Fais péter le courant. Ah merde, on peut pas passer là-bas. Attends, du coup, je vais regarder la carte là. Faut qu'on aille à gauche. Ouais, ouais, non, parce que là, je pense que du coup, je peux pas passer par là. Vas-y. On va essayer d'aller par là. Dégage, toi. Prends ça et ça. Ça te fera les pattes, mon vieux. Lâche-moi, toi. Donc. Ah ouais, 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 ouais. On va remonter. On va remonter. Heureusement qu'on a la carte quand même un petit peu. Tiens, salut, petit Bernard l'ermite. Est-ce que tu peux me donner, admettons, un truc comme ça? Et un truc comme ça. Et je veux bien l'autre avec. Non? Bon, j'en ai déjà deux. C'est plutôt cool. Ça. Attends. Ah oui, oui, attends. On va descendre un petit peu. Voilà. Il faut aller par là. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, bah oui, j'avais pas vu, moi, qu'il y avait... Il y avait des machins comme ça. Vas-y. Ça, ok. Sauvegarde. Pour atteindre le cimetière disparu de navires, Mérine allait devoir traverser l'antre du Faucheux, une région nauséabonde et semée d'embûches. Son père ne lui en avait jamais parlé dans ses chansons, car seuls les habitants de la mer connaissaient les histoires sur, les faucheux, sur le Faucheux. Bon, bah vas-y, fais péter le Faucheux alors. Attends, je vais sauvegarder. Oh ouais, 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 ça a l'air chaud par là. Ça a l'air chaud, chaud, chaud. Vas-y. Ça. Tiens, prends ça dans la gueule. Ouh, merde. J'ai déjà plus d'énergie sur mon navire, là. Sur mon sous-marin. Attends, je vais prendre ça. Il y a des pièces. J'arrive pas à les choper. Ah bah attends, on peut les choper par en dessous. Putain, non. Comment que c'est glauque par là? Tiens. Prends ça. C'est vachement glauque par là, hein. Hop hop hop,
ça passe. Faut surtout pas toucher les tentacules. Si j'ai bien compris. Et je pense que j'ai bien compris du coup. Oh, c'est quoi ça? Tiens. Comment je l'ai défoncé le machin? D'étincelantes sèches caméléons évoluaient dans les grottes sombres, insouciantes du danger qui les entourait. Peut-être étaient-elles plus fortes qu'elles n'en avaient l'air. Même les anémones piquantes semblaient les éviter. Ah bon? Là, je peux pas passer, clairement. C'est pas possible. Donc. Ah bah attends. Bah vas-y, je vais te suivre. Regarde, tout simplement. Vas-y. On va y aller tous les deux. Voilà, c'est bien, tu vois. Regarde. Ça, c'est mon pote, tu vois. On va le suivre tranquillement. Voilà. Et on se croirait pas dans le monde de Nemo quand on joue à un jeu comme ça, là. C'est excellent. Moi, j'adore le monde de Nemo. Regardez, regardez là-bas. Regardez là-bas, lui, là. Tiens, donne-moi ça. Ça. On va essayer d'aller par là. Prends ça dans la gueule. Voilà, étoile de mer. Ça c'est cool. Oh, il y a un coffre là, mais il est... Il est cadenassé. Dégage. Tiens. Ça, tu dégages. Mais c'est quoi ces machins là, là? Pourquoi il a l'air de me suivre ce truc? Attends, est-ce qu'il y a moyen... Ça m'étonnerait que je vais péter un truc comme ça avec un oursin. Non, il faut une bombe. Par contre, il y avait un diamant vert là-bas. Ouais. Je reviendrai, NG4, t'inquiète. On va se revoir. Vas-y, je te suis. Je vais t'éclairer, passe devant. Yes, c'est cool ça. Attends, hop. Ça, je prends ça. Voilà, je tire ça. Oh! Non! Oh, je suis dans la merde! Attends, je vais attendre qu'il fasse le tour. Ah bah attends, bah il y a son pote là, il y en a un deuxième. Vas-y. Impeccable. Ah ouais, ok, d'accord. Le truc, ça ouvre... D'accord. Écoute, je vais faire le tour avec toi, tranquille. Ça va ouvrir la porte. Voilà. Allez, mais lâche! Vas-y, et on va se dépêcher. On va se dépêcher avant que ça se ferme. Youhou, ça passe. Impeccable. Ça se trouve, en fait, j'avais tout mon temps. Non. Tu vois, ça s'est refermé. Je le savais. Ça, par contre. Vas-y, sauvegarde. Yes. Ok. Oh non, c'est pas vrai. Attends, tu vas pas me dire que tu peux pas y aller. Il y a un poisson en or là-bas, là. Putain, il veut pas y aller, quoi. Merde. Vas-y, sauvegarde. Donne-moi un truc comme ça, non? Non. Ok. Je dégage. Ça. Vas-y, fais péter. Donne-moi tout ça, mon vieux. Donne. Vas-y. Et par contre, ces machins-là, là... Hein? C'est un peu relou, quoi. Y a pas moyen de les éclater? Sûrement avec des bombes. Putain, non, mais c'est abusé, quoi. Attends, ça passe, là. Oh là là. Quel empoté sous-marin, là. Hein? Alors... Ouais, il y a un truc qui me suit là. Le gouffre! Un nouveau vortex de faille. Il se connecte aux autres vortex que vous avez déjà visités. Merin se dirigea vers une grande étendue d'eau ouverte. Ouh putain, c'est quoi derrière? Les hurlements de Léviathan affamé résonnaient au loin. Cette fosse apparemment sans fond était comme sous le nom du gouffre. D'accord. Prends ça! Et ça. Ah ouais, ok, d'accord. Je peux revenir aux ruines des Mériens. Ou alors je peux rester au gouffre. On va rester au gouffre pour le moment. Déjà. Oh, regardez, c'est excellent. Il y a une baleine derrière. Oh, une espèce de baleine croisée avec un requin. Ouais. On sait pas trop ce que c'est. Écoutez, on va descendre. Oh, c'est excellent. On est dans les abysses. C'est un truc de malade. Au loin, Merin aperçut une grande tour élancée. Elle lui sembla être familière, bien qu'elle fût incapable de se rappeler où elle l'avait vue auparavant. Ah oui, il y a une petite tour derrière, effectivement.
Ça, une vieille cloche de plongée reposée parmi les rochers autrefois, les faux Mori s'en servaient pour naviguer dans le labyrinthe des courants subaquatiques profonds. Meryn se demanda si son père était allé par ici. Avait-il pu atteindre l'une de ces cloches de plongée? Donne-moi ça. Hop, je prends. Je prends. Je vais essayer de passer par là. Ouh! Je me casse! Non! Putain, c'est chaud, mon vieux! Attends, mais ils sont où les cloches qui parlent? Oh, regarde, il y a des trucs là. Une vieille cloche de plongée. Ouais, tout à fait, ouais, je l'ai vu tout à l'heure. D'accord! Putain, va me falloir des trucs là pour passer. Attends. Elle est où sa cloche de plongée là? Ah, c'est ça, sa cloche de plongée là. Ouais, ouais, écoutez. On va descendre encore un peu plus profond. Ouh, là, ça commence à faire noir. On va allumer les phares. Là, on commence vraiment à être dans les abysses, mon vieux. Hein. C'est un truc de malade. Ouh! Dégage! Oh alors! Ok, cette fois-ci, on va l'éviter, l'espèce de tentaculaire, là. On va pas s'y frotter. Attends. Il est où? Putain, on voit rien. Ouh là! Il est là. Ça, c'est quoi? Non! Lâche-moi! Oh, c'est quoi ça? Capteur de faille! Chaque capteur de faille augmente votre énergie de faille maximale. Ah ouais? Excellent! Trop fort! Meryn ramassa une sphère de verre qui brillait comme un bocal de luciole. D'accord! Ouh! Dégage! Lâche-moi! Oh, regardez, je suis descendu là. Ossuaire. Délire, mon vieux! Il y a un truc, un diamant rouge. Je vais aller le chercher. Donne-moi le diamant rouge. Attends. J'attends que ce soit bleu. Non, mon diamant rouge. Ah, oh, faut peut-être y donner un truc à bouffer à ce machin là, non? Oh, attends, je l'ai eu là, tu rigoles? Attends, eh oh. Hein? Vas-y. Ouvre. Regarde. Regarde là comment que je l'ai là. Hein? Laisse-moi sauvegarder là. Voilà, merci. Bon écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode sur Song of the Deep. Parce que là, ça fait une heure que j'enregistre et j'ai même pas vu le temps passer. En tout cas, si vous avez bien aimé, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis si vous avez bien aimé, alors on fera la suite. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde, bye!